Voilà sur Payture Dollaire, rubrique Éco. J'ai le plaisir d'accueillir pour vous aujourd'hui Caroline Lambollet, fleuriste à Tannes. La boutique qui vous surprendra peut-être, ça s'appelle De Feuilles en Fleurs. Bienvenue à vous, parlez-nous de votre commerce. Donc ça fait 16 ans que j'ai ouvert ma boutique au centre-ville de Tannes. 16 ans donc, Caroline Lambollet est, j'ai envie de dire, vendeuse de rêves, vendeuse de bonheur. Lorsqu'on entre dans votre boutique, on retrouve déjà votre sourire, mais également de belles réalisations. Merci, oui. Souvent, les gens appellent ça un petit paradis floral avec que des créations faites maison. J'ai souvent ma petite couronne de fleurs sur la tête et les gens apprécient beaucoup cette petite différence. Voilà, alors c'est pas un ange au paradis, mais c'est pas loin. Quant au choix de vos coloris, j'étais très surpris. J'ai l'impression d'avoir affaire à une commerçante plutôt romantique. Oui, le rose, c'est la couleur justement du romantisme. Voilà, alors de beaux arrangements que vous retrouvez à la boutique De Feuilles en Fleurs. C'est à, j'ai envie de dire, à l'intersection de la rue de la Première Armée et de la place de l'Âtre de Tassigny. Un endroit qui, à l'occasion donc de ces fêtes de Noël, a été peut-être un peu oublié et puis peut-être mis à l'écart, involontairement sans doute, par rapport au marché de Noël. En tout cas, vous êtes présente avec un beau commerce qui, je rappelle, vend des fleurs, mais également vend du rêve. Vous êtes fleuriste et chez vous, fleuriste rime avec artiste. Vous avez effectivement d'autres activités. Oui, je donne aussi des cours d'art floral pour les particuliers et également pour les professionnels où je me déplace principalement à Rouen ou Caen, plutôt dans le nord-ouest de la France. Mais on n'exclut pas, bien sûr, la région Payture d'Oler pour faire appel à vos services, donc pour ces ateliers d'art floral. J'ai eu droit, disons, à quelques images et puis également à quelques souvenirs évoqués oralement. Vous faites également de la décoration de tables, des préparations de mariage. Parlez-nous de cette activité. J'adore vraiment faire du sur-mesure, donc j'adore effectivement réaliser pour les mariages. Donc voilà, les personnes viennent en boutique et avec un échange, on réalise du sur-mesure. Donc livraison, installation dans tous les domaines ou restaurants ou salles des alentours. Donc rendez-vous à Tannes pour découvrir, redécouvrir, si vous connaissez déjà, Caroline Lambollet et son magasin De Feuilles en Fleurs. Pour finir notre entretien, peut-être quelques arguments pour inviter le grand public à venir découvrir vos réalisations. Ce que j'aime vraiment, c'est transmettre des émotions. Et ce que j'aime beaucoup, c'est bizarrement le deuil, parce que je trouve que c'est vraiment l'occasion de faire une belle création. Je réalise beaucoup de jolis cœurs, de jolies étoiles, des beaux arrangements. Je trouve que c'est vraiment important d'être là dans ces moments. Et on est là pour créer de l'émotion et pas juste gagner de l'argent. Enfin, c'est un très beau métier que j'aime et voilà. De Feuilles en Fleurs, un commerce à découvrir donc avec de nombreuses réalisations pour toutes les occasions. Merci à vous, Caroline, de vous être joint à nous aujourd'hui. Merci à Payture Dollaire TV de m'avoir accueilli et merci à mes clients pour leur confiance qu'ils m'accordent. C'est avec grand plaisir que nous vous avons accueilli aujourd'hui sur payturedollaire.tv, la rubrique Écho.